coucou tout le monde, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un tout nouvel épisode du 100 bébés challenge. Et en tout cas, je suis ravie que l'épisode précédent vous ait plu, mais vraiment ravie, je suis très contente. Je pensais pas que qu'il vous plairait autant, en tout cas moi je me suis bien amusée. J'ai un peu regardé vos retours et le truc qu'il y a, je ne savais pas, donc je m'étais dit au niveau de l'amour on va essayer de faire un bébé avec et tout, j'étais super motivée. Et au final, c'est pas si facile parce que apparemment il faudrait un code pour pouvoir l'avoir entre guillemets comme petite amie. Et donc ça, j'ai pas envie d'utiliser des codes, donc si on y arrive sans code. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, t'as faim. Hop. Si on y arrive sans code, c'est bien. Si on y arrive pas, tant pis, moi j'ai pas envie de tricher honnêtement. Allez, vas-y. Fils de Bouboune qui va nourrir son petit frère. Donner de la compote. Ah, vas-y, si on peut peut-être ranger ça serait bien pendant ce temps-là. Donc oui, voilà, si on y arrive sans code, c'est cool. Si on n'arrive pas, tant pis, hein. Tant pis, ça aurait été un épisode assez fun. Et voilà. Sinon, pour ceux qui savent, oui, donc j'ai les Sims 4 dans la jungle. Si vous n'avez pas vu la vidéo découverte des objets et tout ça, je vais mettre dans le petit, en haut à droite. Je ne pense pas utiliser, outre mesure, ce que propose le jeu en matière de gameplay dans ce let's play-ci, parce que c'est un 100 bébés challenge. Donc, j'ai pas spécialement envie d'emmener ma matriarche, enfin Rosalie quelque part, et de la perdre ou quoi, vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, vous avez compris. Voilà, j'ai pas envie de tenter le diable. Hop. Tu vas retourner au lit. Et moi, je vais aller et dormir. Voilà. T'as quel âge, Bouchou? On n'est pas encore. Hein. Bon, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Ok, d'accord, Edo. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Je vais vite voir pour cuisiner un petit truc pour notre petite famille. Donc, hop. Cuisiner. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un petit truc assez conséquent. Brouillade de petit déjeuner. Voilà. Et on ira voir aussi pour s'occuper un petit peu des cultures. Ah oui, aussi, j'avais dit que j'irais voir après les murs. Est-ce que j'irai pas revoir après ces fameuses murs? Pourquoi est-ce qu'elle est pas venue? Mais bien faire ça. Bien cuisiner. Moi, je veux de la brouillade de petit déjeuner. Reste pas 3000 ans là comme ça. Avoir passé mon temps à mettre des codes pour débugger les Sims, c'est relou. Donc, on va se faire un petit déjeuner. Oh, il y a quelqu'un là derrière. Mais non, j'ai pas envie de parler avec toi. Moi, ça m'intéresse pas de parler avec toi. Hop, voilà. Tu veux bien faire ça, s'il te plaît? Pour tout le monde? On va aussi donner le bain à Adam parce que je crois qu'il est un peu cracra. Ah oui, il pue le pauvre chou. On fera ça après. Oh là là. Donc, sinon, globalement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'aimerais bien, en fait, faire en sorte que nos gars ici, ils aient assez de points en peu près tout. Donc, t'as déjà quoi comme point? T'as déjà en jeu vidéo. Bon, écoutez, voilà, ça, c'est pas mal. Ça pourrait être une bonne idée de faire grimper ça, j'ai envie de dire. Ah, Bouboune aussi qui doit... Bouboune. Je dis Bouboune, mais c'est pas Bouboune. J'ai Baptiste, voilà. Mais allez, vas-y. Oh là là. Elle, ça va déjà mieux. On va la faire regarder un coup la télé. Regarder la chaîne. Chaîne de cuisine, voilà. Une portion. Quoi? Faire crac crac dans un buisson? Ah bah t'as bien le fils de Boone, hein, toi. Nope.
Moon sera ravi quand d'entendre ça. Voilà. Adam est encore en train de dormir. C'est pas plus mal. Bon, toi mon ami. Voilà, fais tes devoirs. Bon, quelque chose qu'on va faire les amis, je pense, c'est pendant que nos chers petits gars font leur devoir et tout, je pense qu'on va appeler le papa que vous avez vu dans l'épisode précédent, donc le papa qui est... Enfin, le papa de l'un d'entre vous. Hop. Invite à venir sur le terrain actuel. Ah zut. On va réparer ça. David Morel va arriver. Nice. Bon. Ah mince, il y a le petit bout là qui s'est... Est-ce que lui... Ah mince, est-ce que je peux peut-être pas lui donner un bain? Donner un bain à Adam. Voilà, comme ça. Ah bah il est rentré par là, lui, tranquille, posé. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il sort les poubelles? Mais quel homme! Il est en mode, oh, une belle petite famille qui m'accueille et tout. Je vais bien me faire voir pour vivre avec eux. Elle a l'air sympathique, cette fille. Mais oui, mais non. Tu vas juste te faire bouffer comme les autres. Donc, partageons un secret. Nous allons un petit peu essayer de le draguiller. Bon. Mince, il veut pas, il boude. Se renseigner sur la guerre, on va un peu discuter ensemble. S'asseoir et discuter ici. Eh bien. Discutons un peu sur la terrasse. Profitons de ce soleil. Bon. Non, pas se discuter, amical. Demandez comment s'est passée la journée. Dégage, j'en profite pour des petites photos. Il va où? Mais pourquoi tu te casses? Moi je veux discuter avec toi. Parler de cuisine, non, moi je veux discuter avec toi. Oui, ok, je suis désolée. La fois passée, je suis venue chez toi. Je comprends peut-être que tu l'aies mal pris, mais fallait pas, faut pas mal le prendre. Faut vraiment pas mal le prendre, j'étais occupée, je devais voir quelqu'un. Il nous faudrait vraiment un deuxième PC en fait. Regardez la chaîne... Hop. De choix, aller où? Voilà, chaîne de cuisine. Bon, on a lavé le petit frère. Oh là là. Hop, prendre une portion, on va le faire manger ici, comme ça. Et il est où, Guillaume? Pourquoi je dis Guillaume Morel? Pourquoi je pense Guillaume Morel? Je ne sais pas. Il est où? Ah, il est là sur mon PC, tranquille, ok, d'accord. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux discuter avec toi. Non, pas vivre ensemble, c'est pas ce que je veux. Conversation profonde, voilà. Complimenter la tenue. Raconter une blague sur les canards. Oh, je vous jure, qu'est-ce qu'il va faire comme connerie pour essayer d'avoir un gars là dans son pieu? Je vous jure. Donner des astuces de réparation, allez. Illuminer la journée. Ah oui, tiens, pour ceux qui pourraient se demander, qui pourraient se poser des questions, en fait, peut-être que vous aurez vu parfois des petits 1 qui, avec des petits points de satisfaction qui grimpent là comme ça. En fait, pour tout vous dire, j'ai installé un petit mode. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il regarde pas la télé?
Et en fait, ce mode, donc, c'est True Happiness. Donc, vous pouvez le retrouver dans ma liste de CC sur mon Pinterest. Et ce mode ajoute un petit côté, j'ai envie de dire, réaliste au... Comment dire, au... Au fait que votre sim soit heureux pour des petites choses, en fait. Donc oui, ça ajoute des points de satisfaction un peu plus que... Voilà, mais pour moi, ça me semble un peu plus réaliste. D'ailleurs, on a 2400 points, qu'est-ce qu'on peut acheter avec ça? Oh, bientôt pour avoir fertile, ça c'est bien ça. Prendre une pose sexy, on va essayer vraiment de la voir, écoutez. Draguer, par contre on va retirer le truc de la mort, c'est bon quoi. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Faire du bénévolat en famille. À travers la vitre, ok d'accord, t'es bizarre madame. Premier baiser, allez. Y'a moyen là qu'on laye là, notre bébé là, nous. Alors j'y pense, je suis même pas sur la bonne scène. Et hop, le nombre de bébés apparaît comme par magie, voilà. Draguer. Est-ce qu'il y a moyen qu'on pousse un peu plus les rapports? Nickel. Et voilà, c'est ça les petits que je vous disais. Mais je trouve ça plus réaliste, c'est pas un gros... C'est pas comme si je trichais vraiment... pas comme si c'était une grosse tricherie, donc voilà. Est-ce que je peux faire crac-crac avec lui? Non, je ne peux pas faire crac-crac avec lui. Enlacer... Demander de passer du temps ensemble, parce que là, j'ai l'impression qu'il va se tirer. Hop. Embrasser l'engourdin dans le placard. Oh. Non, 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 ne tire pas, ne tire pas. Oh, il s'est tiré le con. Oh, c'est trop mignon. Il lui apprend des mots. C'est trop chou. Ah, c'est trop chou. Mignon. Bon, le David serait un peu plus dur à avoir que ce que je pensais, à mon avis, les amis. Donc, bah, c'est pas grave, hein, écoutez. Bon, par contre, je vais essayer de reprendre un horaire de vie décent et ne plus faire loger mon gosse, enfin, faire dormir mon gosse si tardivement. Donc, j'ai fait cultiver le champ, enfin, le petit champ ici de la Miss. Et bah, elle a eu pas mal de sous, j'ai tout récolté, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de sous de quand, que quand on s'est laissé quelques minutes, enfin, tout de suite pour vous, quelques minutes pour moi. Hop, rangé. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'aimerais bien... Ouh là là, il est vraiment déprimé. Bon. On va essayer de les faire un petit peu discuter là les deux, parce que là c'est... What? Baptiste est en pleine dépression nerveuse là, ok, tout va bien. Oh là 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 là, c'est trop bien, c'est super. Le petit bout là qui est en train de manger par terre, tout va bien. Oh là là, bon, nous ce qu'on va faire avec la Miss ici, j'aimerais bien qu'elle tombe enceinte de numéro 37. Donc, nous allons filer rendez-vous, donc hop, allez. On va aller avec David à un endroit bien précis. C'est-à-dire à l'endroit où il y a les fameuses murs, comme ça je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais voir David à cet endroit-là. Et en plus je pense qu'il doit y avoir des buissons dans le coin, donc je pourrai toujours profiter des buissons pour faire un bébé. Mais aussi profiter du fait qu'il y ait des murs. Avons-nous des murs? S'il vous plaît, j'aimerais bien avoir les murs, suivre les conseils. Oh, prendre une bouture! Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est cool. Il est où notre pote là? Il est rentré? Ah ouais, il est rentré. Il est rentré, ok, c'est nickel. Donc, faire crac-crac dans le buisson.
Et je veux pas que faire crac-crac, moi je veux faire un bébé aussi. Je peux déjà le faire, vous pensez? Non. Et il serait rapide, hein, le papa. Si je fais plus de choix, amour, qu'est-ce que ça me propose? Oh! Go! Oh, super! Dag, dag! Mais non, te casse pas! Mais! Va pas me dire qu'il se tire quand même! C'est une blague! Mais, mon bébé dans le buisson! Attends, le mec il me dit oui, puis après il se tire! C'est quoi ce bordel? Moi je veux faire un bébé avec toi dans le buisson! Hein. Voilà, il est là! Oh, je vous jure! Et... Ah bah oui, en face du café, parce qu'on est des gros bolosses, hein. Oh, je vous jure. Oh mon dieu. Bon bah voilà, les amis, le buisson, again, hein. Ah, ça nous avait manqué quand même, hein, j'ai envie de dire. Non? Est-ce que je vous fais un gros cliffhanger de l'amour en vous abandonnant là-dessus et en ne sachant pas si elle est enceinte ou pas? Est-ce que je fais ça? Si je fais ça, vous allez gueuler dans les commentaires, je pense. Non? Ok, ils ont fini. Super! C'est ce que j'attendais. Hop. Test de grossesse. Est-elle engrossée, la miche? Allez. Est-ce que tu as un bébé maintenant? Et voilà! Et oui, elle a un petit bout. Bon! Eh ben, je te remercie, je rentre chez moi, voilà, hop. Et donc voilà, notre Miss est bel et bien enceinte de numéro 37. Qu'est-ce qu'il y a de... Mais dis, je t'emmerde. Bien, mais calme-toi, mais pourquoi tu... Hein? Ouais, l'école c'est nul, je devrais pouvoir commencer à travailler au milieu de ma vie, est-ce que je peux arrêter l'école pour toujours? Voilà, nickel, bon. Ici, ce que nous allons faire maintenant avec eux, ce qui est cool, c'est qu'il me reste pas mal de temps. Ah, ce qui est cool, j'ai pas fait ce que je voulais faire, mais bon. Donc, on va, je pense, balancer Baptiste sur la cuisine, parce que je pense qu'il va rester un peu avec nous une fois qu'il sera adulte, pour s'occuper des petits et tout ça, et qu'on va balancer celui-là sur les jeux vidéo. Voilà, le petit loulou ici, comment est-ce qu'il sent? Il est en pleine forme, ça c'est top. Et ben voilà, donc... Qu'est-ce que je peux faire avec lui? De quoi as-tu besoin, mon petit ami? Je ne sais pas, faudra vraiment notre ordinateur en fait. Je pense que je vais voir pour en acheter un... Ah oui, tiens, la fameuse bouture. On avait, tiens, un plan poubelle. Est-ce que je peux pas mettre la bouture? Greffer. On va greffer cette plante, tiens. Enfin, greffer le truc là, la plante, ça pourrait vraiment être cool. Commencer à avoir des murs, ça pourrait être bien. Espèce hybride, donc nous aurons une espèce de mur poubelle. C'est trop bien. Oh, c'est trop chelou, mais c'est pas grave, bon. Est-ce qu'il y a pas des trucs ici qu'on pourrait prendre encore, des petites... récolter les produits... Récolter... Est-ce qu'on a de la jacinthe dans notre, jardin? Lys, muflier... Jacinthe, ouais. C'est bon, on peut faire évoluer, hein.
Oui, on peut faire évoluer un truc, ça c'est trop bien ça. Bon, j'ai mon chat qui commence à son cadeau de folie, tout va bien. Voilà. Et hop. Moi je revends. Il nous faut du fric de toute façon, donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser ici avec cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et que vous ne l'aurez pas trouvé ennuyeux. Hein, je sais que parfois, bon, bah là j'ai pas encore pris mon café ce matin. Enfin, je retourne le matin, j'ai pas encore pris mon café, donc du coup, j'espère que je suis pas encore très bien réveillée. Je bafouille un petit peu, j'ai la voix du matin. Enfin voilà, vous avez compris. Mais bon, dans tous les cas, j'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et surtout, restez vous-même. Ciao, ciao!